E sur la photo. Un roman de Hélène Gestern. Gestern en allemand, ça signifie hier. Et l'héroïne va se pencher sur son passé. Hélène a été élevée par la seconde épouse de son père. Elle ne sait rien de sa mère biologique, morte quand elle avait 3 ans. La découverte d'une photo ancienne va être le début d'une enquête. Qui sont-ils, eux, sur la photo? Quel lien entre ces 3 personnes? Quel mystère autour de la naissance d'Hélène? Que lui a-t-on caché sur ses origines? Comment et pourquoi sa mère est-elle morte? Le roman se présente sous forme de correspondance, en alternance avec des descriptions de photos. Hélène et Stéphane ne se connaissaient pas, mais se découvrent un passé commun. À travers la mère de l'une et le père de l'autre, et d'autres personnages qui se sont bien connus autrefois. Hélène va faire des découvertes tout à fait inattendues. Sa mère Nathalie était en fait Natalia Olegovana Zabvin. Hélène est issue d'une famille d'émigrés russes. Hélène était en fait Léna. Son identité bascule. Qui est-elle vraiment? Était-ce bien prudent d'ouvrir la boîte de Pandore? Toute sa vie, Hélène a cherché de manière inconsciente à ressembler à cette mère inconnue. En apprenant le russe, le piano, Hélène vivait par procuration la vie de sa mère disparue. Une fois libérée du poids du secret et des mensonges, elle pourra vivre sa propre vie. Réconciliée avec son passé, elle peut vivre le présent. Et un bel avenir qui s'ouvre à elle. L'enquête est bien ficelée, bien plus complexe que je ne pensais. Pour un premier roman, c'est très prometteur. Et d'ailleurs, le roman date de 2011. Hélène Gestern en a écrit d'autres depuis. Et je pense que je vais bientôt les lire. E sur la photo. Un roman de Hélène Gestern.